Ouais, c'est dur, non, elle nous fait très mal. Surtout que c'est un peu redondant à domicile. Donc voilà, oui, on va pas faire de constat à chaud. On va, comme on l'a toujours dit après les défaites, on va repartir de l'avant. On va, voilà, peut-être utiliser d'autres leviers pour se resserrer, pour créer quelque chose ensemble. Parce que là, on a un autre défi qui nous attend et c'est le maintien, quoi. Voilà. Ouais, elle est périlleuse, on va pas se le cacher, on va pas marcher sur les œufs ou dire ce qui est pas le cas, mais elle est périlleuse. Après, j'espère qu'on est en train de tous en prendre conscience. C'est le principal, il faut plus qu'on se mente et voilà, qu'on se le dise. Mais maintenant, on ira le chercher ensemble. Donc il faut rester serré, rester soudé. C'est le sport de haut niveau. On a un match la semaine prochaine, donc on va y aller pour batailler. Ah, c'est difficile. Après, je vais pas vous dire que notre métier il est facile. Hein. C'est un sport de haut niveau, donc c'est difficile. Hein. Après, notre devoir, c'est de le garder, le cap. Donc voilà, dimanche, on sera au boulot et il n'y a pas d'autre alternative, hein, j'ai envie de vous dire. Ah, je sais pas si, voilà, je sais pas si tout s'est déréglé, mais je pense qu'on a manqué de. On a manqué de ténacité. Voilà, je pense qu'on leur a offert des points beaucoup trop faciles, notamment avec XTC où ils reviennent à hauteur avant la mi-temps. Et même en seconde mi-temps, voilà, on s'expose beaucoup trop aujourd'hui. Dans notre camp, on leur a offert beaucoup trop de points. Alors on va voir où ça a failli. Je peux pas vous dire ça trop à chaud parce que ça serait surréagir, mais on va l'analyser puis on va vite, vite basculer, hein. Non, j'ai pas. Voilà, on va en discuter entre nous. Voilà, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on est un sport collectif. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'être ensemble. Avoir le même cap et aller dans la même direction. Et comme disait Antonin, pas sortir du cadre. Donc voilà, on va essayer de faire en sorte de tous regarder devant et puis rester ensemble, quoi.